Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle émission sur Trackmania Stadium 2, bien sûr, jeu en open bêta, c'est-à-dire que c'est une bêta gratuite et ouverte à tout le monde. Donc, il suffit de vous connecter à Mania Planet, là vous acceptez vos amis. Voilà, continuez. Et ensuite, eh bien, vous allez dans les stations là-haut, vous cliquez sur Trackmania Stadium machin, vous faites ajouter une station et ensuite il apparaît dans vos trucs ici en bas. Donc vous double-cliquez, vous faites la mise à jour du jeu, tatacou, fin d'agadi, pouet pouet, et ensuite vous arrivez dans le jeu, c'est ouvert, c'est beau, vous avez vu. Nous allons faire des maps. Des maps pour cette cup. Mesdames et messieurs, qu'on va un petit peu vous expliquer. Donc voilà, 8€ c'est pas gratuit. Non, c'est pas 8€. Là c'est la bêta. Elle est gratuite et le jeu final coûtera 10€. Donc je pense que c'est évidemment un jeu rentable, tout comme vous le savez. Donc voilà, je suis pas un ouf de l'éditeur de cartes. Au contraire, je suis même nul. Et c'est ça qui va être très drôle en fait dans ce stream. What the hell. C'est en très très mauvaise qualité. Ah oui, parce que j'avais mis Shootmania en très mauvaise qualité. Du coup lui s'est mis en très mauvaise qualité. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, Trackmania 2 Stadium, toujours la même carte un petit peu, ils ont repris les mêmes bases, sauf qu'ils l'ont actualisé avec le moteur graphique actuel. Et voilà, donc c'est Trackmania 2 Stadium, c'est la bêta. La bêta, et je sais pas d'ailleurs si on peut... Hop. Voilà, bon il y a écrit Shootmania en bas, mais au fond on s'en fout. Au fond, on s'en fout. Non, c'est vrai que c'est pas très pratique. Je pense qu'on va plutôt la mettre ici. Enfin bon, à moins qu'on... Non, voilà, on peut rester comme ça. Trackmania normal, le gratuit, tu fais pas Zera. Bah c'est bon, Trackmania gratuit a fait son temps. Là, on a le 2 qui est dispo. Je pense que ça pourrait être pas mal de passer sur celui-là. D'autant que Nadeo va nous aider pour cette cup et ça fait plaisir. Bon, je vous explique le principe de la cup. Pendant quelques émissions, je vais faire donc des maps, c'est-à-dire des cartes. Donc sur cet éditeur de cartes, je vais les faire moi-même, je vais les tester moi-même et peut-être même les mettre sur un serveur public avec des places limitées, comme ça les places seront chères. Et je ne sais pas quand, à une date que nous déciderons plus tard, nous allons faire une Trackmania Cup. Donc une Trackmania Cup, c'est-à-dire que ce sera une coupe ouverte à tous avec un petit peu d'argent à gagner à la fin. Et ce sera uniquement sur les cartes que j'ai créées moi tout seul pendant ces émissions sur 7 éditeurs de cartes. Donc voilà. Donc il y a 7 éditeurs de cartes en effet, il faut tous les connaître. Donc il y aura je ne sais pas combien de maps. Il y aura je sais pas, là comme ça je pense à une dizaine de cartes. Et donc on va faire plein de trucs. On va faire des circuits complètement cons, des circuits très faciles pour départager les gens de manière extrêmement serrée, des circuits beaucoup plus difficiles pour que la technicité soit la meilleure. Mais ça va rester des circuits assez simples de toute façon. Et pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà. Donc on va commencer par des choses très simples. On va commencer par une base très très simple. Et ensuite on améliorera au fur et à mesure. Donc voilà. Faut juste que je me refasse la main un petit peu avec l'éditeur, bien sûr, que je recomprenne comment il fonctionne. J'en faisais à l'époque des cartes Trackmania, pardon. Mais c'est vrai que Canyon est beaucoup plus beau. Alors moi je préfère jouer sur Stadium parce que je préfère. Et voilà, donc ça va être des cartes assez simples, je pense, honnêtement, hein. Des cartes plutôt simples. Alors par contre, faut bien comprendre les rotations caméra et pas faire trop des conneries avec. Par exemple, genre ça, c'est pas bien. Donc voilà, donc on va s'amuser à faire des petites cartes comme ça, vous voyez. Moi, ça me fait penser au Dardad Round, pour ceux qui connaissent. Alors le Dardad Round, c'est un truc, je pense que personne connaît ici. Mais s'il y en a qui connaissent, eh bien peut-être que ça vous y fera... penser. Enfin bon, en tout cas après, eh bien vous voyez, on peut mettre des blocs speed. Donc l'éditeur de cartes de Trackmania est assez complet. Et vous voyez, dès que vous voulez tester, vous faites eh bien backspace quasiment n'importe où et vous partez. Ah oui, c'est vrai que c'est avec les flèches. Moi je vivais avec ZQSD. Et donc voilà, donc vous testez votre carte. Il faut mettre bien sûr un point de départ, un point de retour. Donc là vous avirez, vous faites ça et vous vous dites c'est bon, c'est suffisant. Donc paf, vous repartez, vous faites échappe. Et vous repartez dans l'éditeur de cartes. Donc il y a plein de trucs à faire. On peut même faire un petit peu de topologie. On peut mettre de l'eau. Par exemple, si je fais ça, eh bien ça va mettre de l'eau. Même si là, il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut en mettre... Oh zut, zut. Ctrl Z, bien sûr, fonctionne hein, dans cet éditeur. Raté. Je rassure, le jeu est beaucoup plus beau. Ah oui, le jeu est beaucoup plus beau que ça. Hein. C'est juste que là, moi, je suis en minimum total pour gérer avec le truc. Mais...
Mais sachez qu'en effet, le jeu est beaucoup plus beau. Donc je regarde un petit peu ce que nous propose. Ce que nous propose eh bien, Trackmania à ce niveau-là. Ça, c'est quoi? C'est du dirt? Qu'est-ce que c'est? Je regarde un petit peu, hein, mesdames et messieurs. Ah oui, c'est du dirt, en effet. D'accord. Donc je regarde. Il faut que je me refasse un petit peu avec le avec l'éditeur. N'oublie pas de poser un point de départ et une ligne d'arrivée. Oui, bien sûr, on va le faire. C'est juste que je me refais petit à petit, hein. Donc le départ, il est ici. Voilà, ça va être le départ. La ligne d'arrivée, on va la mettre on ne sait pas où pour l'instant. On va essayer d'éviter le maximum de cuts en mettant des checkpoints strictement partout. Merde, je me suis trompé. Donc on va mettre des checkpoints vraiment vraiment partout pour que les gens eh bien, puissent bien booster leur comment dire, leur temps, leur timing, ce genre de truc. Donc voilà. Donc vous voyez, on va faire des choses assez, assez simples et en même temps qui peuvent poser problème à certaines personnes. Donc l'idée c'est de s'amuser bien sûr, faire une compétition ultra fun et disponible pour tout le monde, ultra, ultra accessible, c'est mon but bien sûr. Donc voilà. Ah les potos, j'avais des potes qui supportaient pas. Un CP avant un looping, c'est chaud, non? Non, non, c'est pas chaud. C'est pas chaud du tout. Alors, hop. Donc là, vous voyez, par exemple, on fait ça. Et pour tester, on fait backspace. Alors le problème, c'est... Ah, je pensais que ça me placerait au départ automatiquement. Donc on fait des tests, voilà. Ah, ça va être un petit peu haut, je pense. Parce que j'ai pas du tout l'habitude de la physique de Trackmania. Et donc c'est la première carte que je suis en train de créer en direct pour cette cup. Alors bien sûr moi je suis un peu nul hein. Enfin je suis un peu nul, je suis pas top quoi. Donc, vous voyez là il y a juste des poteaux qui servent à rien. Et donc là c'est un petit peu haut. Un petit peu haut mais j'avais pas la vitesse maximum. Donc là on vient de voir que typiquement cette ligne est beaucoup trop facile à prendre. Donc il va falloir supprimer quelque chose. Donc on prend la gomme, donc X. Je vais essayer d'apprendre les raccourcis en même temps. Alors on prend X, la gomme. Et ce passage est beaucoup trop facile. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre un truc bien chiant. C'est ce truc. Alors normalement, non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Donc X. Voilà. Nous allons mettre du resserrage. Et ensuite double potal. Double potal avec un petit qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, je vois. Je vois ce que c'est. Et un monopoteau derrière. Là, ça devrait être déjà un petit peu plus chaud. Et derrière, on aura le saut. Donc ça, il faut qu'on le descende d'un cran, excusez-moi. Donc on va aller se mettre à la hauteur à laquelle je l'ai mis. Hop, voilà, c'était là. Donc on va le descendre d'un cran. Et là, ça devrait le faire à ce niveau-là. Hop, on va vérifier immédiatement. Enlever tous les blocs. Non, pas enlever tous les blocs. Comment on fait pour tester? C'est pas backspace? Tester. Merde. C'est quoi retour? Ah non, retour, c'est genre... C'est quoi retour? C'est pas backspace? Merde, c'est quoi? Bon, je sais pas. Je vais y aller avec les coulisses. Je vais y aller avec les clics droits, bien sûr. Oui, je vois quelqu'un qui a écrit les coulisses de Millennium. C'est pour ça que ça m'y a fait penser. C'est vrai que... Hop. Donc voilà, là c'est chiant parce que vous voyez, à la sortie du tunnel, il y a un... À la sortie du looping, il y a un... Donc voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est chiant. Donc c'est parfait. C'est enter, retour c'est entrée. Ah ouais, pourtant ça marchait pas, ok. Ah oui, c'est retour chariot, c'est vrai. Retour chariot, entrée. Donc là c'est bien parce qu'à la sortie de la boucle on a un petit virage. Donc il va falloir freiner un petit peu. Et là juste après on a ça, la chicane. Et il va falloir voilà, passer un petit peu mieux. Et après on a juste ça, donc ça va être vraiment difficile. Ça va être bien. Ça va être vraiment bien, là on a déjà fait. Vous voyez c'est mon klaxon sur Shootmania. Je pense que vous l'avez reconnu. Donc là ça fait une bonne difficulté de départ, honnêtement. Pour l'instant. Ah. Donc je vais essayer de prendre assez de vitesse pour essayer de prendre le saut. Donc maintenant que je connais la carte, voilà, je peux y aller. Oh, à mon avis c'est faisable. À mon avis c'est faisable. Mais voilà, ça doit être faisable. C'est simple ça, Zera. Ah oui, non mais c'est simple, il y aura pas de carte impossible. C'est il y aura vraiment pas de carte impossible. C'est pas du tout le but. Moi je suis pas un pro et je compte bien finir toutes les cartes. Bon, je vais le mettre un cran en dessous encore. Parce que là ça me paraît encore un petit peu difficile. Faut trop de vitesse je pense. Donc on va se remettre à niveau. Voilà. Je vous dis, hein, des cartes qui vont être vraiment sans prétention. Pas extrêmement simples non plus, mais facile d'accès pour les débutants de Trackmania. Bon, et là ça devrait le faire, même si évidemment ça devrait le faire, je me fais pas trop de soucis. Ah, fuck my life. On peut pas faire marche arrière. Vas-y quand même. On y va. Tu sais qu'il y a de l'obstacle sur Shootmania, Trackmania. Ouais, je sais qu'il y en a. Ah, est-ce que je vais tomber? Non, ça va, je vais pas tomber. Voilà.
Merde, j'ai freiné. J'ai freiné, mais vous voyez, ça a carrément suffi. Donc c'est parfait. Maintenant, on est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un truc absolument atroce à la fin. Enfin, au saut, juste après le saut. On va mettre un trou. Ça, c'est vraiment sadique. Ça pourrait être une carte de Vision Elf. On va mettre même deux trous. Voilà, deux trous, ça me paraît stylé. Donc à la sortie du saut, c'est vraiment affreux. Hein. Vraiment affreux, atroce, atroce, affreux. Enfin, moi, je trouve ça ignoble. Et ensuite, nous allons faire deux chemins. Nous allons faire deux chemins, mesdames et messieurs. Deux chemins qui vont monter. Vision Elf sort de ce corps. Nous allons faire deux chemins qui vont un petit peu monter. Alors, il faut trouver les chemins qui montent. Je ne me rappelle plus où c'est. Non, en fait, c'est pas comme ça que je vais le faire. C'est pas comme ça que je vais le faire. Hop. Hop, voilà. Ça, ça monte, je crois. Ça monte, ça, voilà. Nickel. Parfait. On fait ça. Et là, on va pouvoir, eh bien... Oublie pas les CP. Les checkpoints, on les placera après. Hein. Honnêtement, c'est pas très grave. On pourra les placer après, les checkpoints. Y a pas de souci. Donc là, l'idée, c'est de faire un truc parfaitement symétrique. Parfaitement symétrique avec peut-être, je sais pas, deux difficultés différentes de chaque côté. Donc on pourrait faire ça et ça. Et par exemple là on fait ça et ça. Voilà, en inverse, vous voyez. Comme ça, c'est les mêmes blocs mais disposés différemment. Et peut-être qu'il y en a qui aimeront un certain nombre de blocs, enfin des certains blocs, d'autres non. Donc là on va faire deux chemins. Non, on va faire un petit peu plus haut. Attendez, ça je crois que c'est plus haut normalement. Non, c'est plus bas justement. Ok. Donc on va pas faire comme ça. Et là l'idée c'est de les faire se rassembler en un même chemin. Alors, on va faire ceci. Ah oui, là c'est vrai qu'il faut mettre un une transition de voilà route métal. Voilà, voilà. Non, je vais pas le faire tout de suite. Je vais mettre un speed avant. Zera supprime un bloc de route après le saut. Ouais, ici tu veux dire? Ouais. Tu as raison. Tu as raison. Comme dirait Zerator, fuck my life. Voilà, donc là c'est parfait. On va partir ensuite sur la transition dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, hop. Et là, le fameux truc pour aller plus haut. Aller plus haut. Tac. Oups, oups, hop, hop, voilà, c'est pas mal. On va essayer de faire repartir les gens, et bien vers un coin, je pense un petit peu. Attendez, hop, vers un coin genre comme ça. Voilà, ça, ça va être bien difficile, mais c'est pas grave, ce sera rigolo. Moi, ça me paraît assez difficile. Après, ça fait, oups, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Trackmania, donc et donc vous voyez la map se complifie la map se devient difficile au fur et à mesure. Hop hop, ça c'est quoi, c'est une petite barrière, je peux la mettre en dessous ou pas? Non, je peux pas, c'est pas grave, fuck la physique, quel sadique. Go test après. Ouais, je vais tester après, ne vous en faites pas. Alors par contre, il faut mettre des flèches, il faut mettre des panneaux. Donc les panneaux, c'est ça. Et normalement, après, on peut changer et mettre des flèches, je crois. Donc là, si on fait customiser un bloc, on va là. Voilà. Donc, sign right. Voilà. Tac. Donc là, on met juste des panneaux pour dire aux gens, faut aller à droite. Vous voyez ? On a des petits panneaux, aller à droite. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, faut que je retrouve les panneaux, c'est un peu relou. Eh, faut que je retrouve les panneaux, n'est-ce pas? Voilà, impossible, pas assez de vitesse. Non, non, mais on va rajouter, je sais que là, il n'y a pas assez de vitesse. On va rajouter des checkpoints, vous en faites pas. Voilà. Hop. J'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il va essayer, c'est bon. Vous inquiétez pas, hein. je vais essayer après, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, hop, left. Left. Voilà. Left. Je sais pas après si on peut mettre des trucs ZT sur la carte et tout, genre ZRT Cup, machin, mais je pense que si.
Et du coup, on le fera peut-être. Vous savez quoi? On va même pousser le truc jusqu'au bout. On va mettre des flèches de partout. Alors, c'est très important de bien habiller une carte. Vous, ça vous semble peut-être un détail, mais moi, je trouve ça plutôt stylé qu'il y ait un beau décor, que la map soit stylée. Donc, une fois qu'on aura fait tout ça, après, on fera le décor tout autour. Bon, là, je commence un petit peu parce que je peaufine, hein, mais vous allez voir que les cartes... moi, je vais être assez perfectionniste et peut-être même un peu chiant parfois. Donc voilà. Voilà comment on va faire. Là, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et ça me paraît faisable, hein, honnêtement. Ça vous paraît pas faisable, vous? Écoutez, on va tester. Je sais pas, ça se trouve, c'est pas faisable. Hein. Aucune idée. Totalement aucune idée. Ça me paraît pas mal. C'est vrai qu'on voit pas ma souris, apparemment. Donc c'est un peu chiant. Alors... hop, voilà, 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 hop, ouais. Donc moi je savais qu'il y avait les trous, hein. Je suis passé à gauche parce que j'étais placé sur la gauche et que ça me semblait plus logique. Je sais pas si on aura assez de vitesse, mais je pense que si, hein, normalement, honnêtement. Hop, voilà, ah. Bon, je vais pas y arriver, ah si, je vais y arriver. Donc c'est bon, ça passe largement, c'est assez facile même. Vous voyez, c'était la première fois que je l'ai testé et j'y suis arrivé d'un coup. Bon, je connaissais la carte, hein, évidemment, mais... donc rien de très impossible niveau technique. Ok, nice, GG, moelle, first shot, machin. Tout était calculé, les mauvaises langues, that luck. Bon, bref, en tout cas, j'ai réussi. Ah, il y a plein de gens qui pensaient que j'allais full fail, en fait. D'accord. D'accord, d'accord. On pourrait même rajouter un truc ultra vicieux, c'est ça. Ah, ça, on pourrait le rajouter, ça. Ça, ce serait vraiment... vraiment affreux. Ça, voilà, je sais pas si je vais le laisser, ça, honnêtement. Non, je crois pas. Je pense pas... merde! Je pense pas que je vais le laisser. Ça, c'est trop dur. Trop, trop dur. Trop, trop dur, trop, trop dur. Ça passera pas avec le cercle. Ouais. Ouais. Alors, par contre, il faut qu'on place des checkpoints, maintenant. Et le problème, c'est que là, j'avoue que je suis un peu mal. Non, ça va, on va en placer un ici. Donc maintenant, on va partir sur du solide. Des pavés solides. Voilà, un checkpoint direct en descendant. Vous voyez, il y a juste une petite marche qui va être bien relou. Ah, c'est chiant qu'on voit pas ma souris, c'est vraiment... ça, c'est vraiment relou, ça. Mais bon, c'est pas grave. Ah, d'accord, c'est carrément... on a pas un truc plat? Si, voilà. Hop, hop. Alors, là, nous allons faire quelque chose qui va partir sur la droite, je pense. Et qui va repartir vers le fond de la carte, là-bas. Ça va être plutôt stylé. Et donc là, vous voyez, vous vous dites, ouais, c'est moche et tout. Mais par exemple, si on rajoute direct des petits piliers. Vous voyez, comme ça. Hop. Attendez. Ah, ça, c'est un peu trop gros. Dommage. Vous voyez, on va faire genre ça. Direct, ça donne un peu plus de gueule à la carte. Alors là, ça fait moche parce qu'il y a la texture toute... vous voyez, cette texture là, ce carré vert, c'est juste parce que j'ai le jeu en full low, pardon. Et donc ce genre de petite déco, ça fait bien plaisir. Après, vous voyez, on a des châteaux, on a le Zeppelin Nadeo là, le fameux Zeppelin plutôt stylé, que je vais mettre genre ici. Comme ça, ce sera un truc qu'on voit quand on descend le checkpoint. Ce sera plutôt pas mal. Mais le décor, on le fera après, hein. C'est vraiment pas... c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Là, on a du dirt. On placera du dirt peut-être sur les autres cartes. Elle dure combien de temps la bêta? Je ne sais pas. Mais on a le temps. Je ne sais pas, mais on a le temps. Alors, on va repartir quand même sur un checkpoint. Parce que là, il n'y en a pas eu avant. Moi, je mets des checkpoints quasiment tout le temps quand je fais des cartes. Parce que... après, il y a des cheaters. Des cheaters. Alors, je sais pas dans quel sens faut le mettre, par contre. On s'en fout un peu, je pense. Ça doit être comme ça. Ouais. Ouais, parce qu'il y a les deux... ces deux traits, là. Ces deux traits noirs, celui-là et celui-là. C'est vrai qu'ils ont l'air dans ce sens-là. Ok, ensuite on va mettre du turbo. Et là on va faire un grand saut. Parce que les grands sauts c'est fun. C'est bien fun les grands sauts. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 turbo. Et là on va faire un saut à ne pas rater. Ne pas rater. Un très très gros saut. Ça pourrait être pas mal. Pourrais-tu rétrécir la cam? Pas de problème. Je vous fais ça tout de suite. Donc hop, 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 hop. Ah, j'ai fait du caca. Voilà. Et là on va faire un grand saut. Un grand grand saut. Attendez, juste vérifie, est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau derrière moi là? Ou pas? Non, merde. Merde. What the hell? Ah oui, putain. Chaque fois je fais ZQSD. Ok, donc oui, il y a de l'eau, c'est juste que mon PC en full low est un petit peu nul.
Alors, voilà. Golosso. Golosso. Voilà. Et donc là, derrière, on va mettre un petit tremplin. On était où déjà dans les blocs? Ah, j'étais là. J'étais là, voilà. Et donc là, on va mettre un saut. Ah merde. Voilà, c'est bon. Donc un saut, même un truc comme ça, vous voyez. Donc là, le saut va être un petit peu ralenti parce qu'en fait, la voiture va faire un angle assez relou au niveau de cette zone. Putain, j'ai pas la souris, c'est tellement chiant. Donc au niveau de cette zone précise, elle va faire un angle un petit peu relou. Mais donc là, l'idée après, c'est de respecter la même ligne et d'aller au bout sur un autre checkpoint. Donc on prend le plat, on va loin comme ça. Voilà. Et genre, on va faire ça. Et là, on va juger un petit peu, voir où arrive notre voiture quand on prend ce saut. Donc voilà. Donc on va aller voir. Donc, vous voyez là, c'est dégueulasse les textures et tout. C'est vraiment parce que j'ai le jeu en minimum. Faut pas se fier à ça, hein. Vraiment. Le jeu est magnifique. Alors voyons voir. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Ça fait un angle un petit peu trop fort pour la voiture, mais c'est pas gênant. Honnêtement, c'est pas gênant du tout. Au contraire, même, on peut jouer de cette connerie en fait, en mettant par exemple une barrière et faire que la voiture doit faire un mouvement spécial. Mais bon, ça, ce serait un petit peu trop déconné. Alors par contre, vous avez vu, la voiture doit être. Ouais, honnêtement, c'est bof. Je pense qu'on va l'enlever. On va trouver un moyen de faire un saut un peu plus propre. On va jouer du. Enfin, on va faire autre chose. On va faire autre chose. On va faire autre chose. Vous savez quoi? Bah, c'est comme ça que je vais commencer ma map. Je vais commencer ma map avec un truc que j'aime bien faire. Je vais vous montrer. Un truc que je faisais quand je faisais des cartes. Donc je vais vous montrer. C'est en fait vous forcez la physique de la voiture. Donc ça c'est un super turbo je crois. Il me semble. Un turbo qui fait beaucoup plus accélérer la bagnole que d'habitude. Et en fait je vais changer tout le début. Parce que ça va être plus fun. Alors tac. Hop, là je vais un saut comme ça. Ah non, je vais pas faire ça. Voilà, je vais mettre genre de l'eau. Enfin un carré d'eau, un truc comme ça. C'est où déjà? C'est là. Tac, hop. Merde. Là. Là, voilà. Et là je vais regarder comment réagit la voiture par rapport à ça. Ah c'est turbo aléatoire! Ah merde. Ah ça va pas. Ah ça va pas. Il me faut pas des turbos aléatoires, excusez-moi. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Moi, je veux pas qu'il y ait de chance dans mes courses. Je veux que ce soit full skill. Donc ça, j'en mettrai jamais. Donc pardonnez-moi, je recommence. Voilà. Vous voyez, là, elle a presque fait un looping, la voiture. Donc je pense qu'avec un turbo supplémentaire, il y a moyen qu'elle fasse un truc stylé. Et c'est ça, en fait, l'idée, quand je disais forcer la physique un petit peu de la bagnole. La bagnole. Pourquoi je peux pas enlever ce truc là? Ah parce que c'est un bloc, d'accord. Un peu con. Un peu déçu du coup. Donc on va forcer un petit looping au début de la carte. Donc juste faut aller juste tout droit. Et la voiture va faire un looping tout. Ah ça marchait mieux tout à l'heure. Ça marchait mieux tout à l'heure. Donc on peut faire par exemple ça. Et là, regardez. Il faut essayer de provoquer des trucs random. Donc genre on peut faire ça. Hop, on peut faire ça par exemple. Voilà. Et on regarde ce que fait la voiture. Ah merde. C'est pas normal, elle faisait pas ça tout à l'heure. Voilà, elle fait pas toujours la même chose, quoi ce bordel? Si, elle fait toujours la même chose. C'est que tout à l'heure j'ai dû faire un mauvais mouvement. Il faut vraiment vérifier qu'elle fasse toujours la même chose. Ok. Je regarde, hein. Qu'elle fasse toujours la même chose. Ok, je vérifie, hein. Je sais jamais. D'accord, bon, ça va. Donc là, elle fait toujours la même chose. Donc cette barrière est trop petite, malheureusement. On va essayer de faire un truc. Déjà, on va faire ça parce que c'est marrant. Ah, ouais, non, mais ça marchera pas. Elle sera trop haute. Elle sera trop haute. Fais-nous un full speed. Non, j'aime pas le full speed. Je ne ferai pas du FS comme les gens disent. Donc le full speed c'est on est toujours en turbo et la moindre erreur nous fait lose en gros. C'est ça le full speed. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça.
Wow, ça c'est de la déco ça. Ça c'est de la putain de déco ça. Mets un cercle. Enlève-le au milieu et mets un cercle. Je pense pas que ça suffira, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense qu'en fait elle va faire de la merde sur le cercle. Mais c'est pas grave, tant mieux. En fait, t'es obligé de le mettre à 1 de hauteur le cercle. Et du coup, mon avis, ça passera pas. On va voir, hein. On va vérifier. Le truc c'est que je crois qu'elle rebondissait sur la... Ouais voilà. Non mais c'est ouf. Je sais pas pourquoi à chaque fois la première fois elle... Enfin bon bref. C'est bizarre. Tu peux pas baisser ou monter le niveau du sol. Non mais si en fait je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Ah on peut pas? Pourquoi je peux pas? What the hell? What the hell? What the fuck is going on? Ok. C'est pas des blocs de sol. Ouais, je vois ça. Ah, je suis un peu déçu. Voilà, tac, tac. Tac. Mais je pensais que j'arriverais à faire cogner ma bagnole sur une barrière à la con là. Ou alors on fait ça. Ça peut être pas mal. Je sais pas si elle va le toucher, ça m'étonnerait. Quoique. Attendez. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc là vous voyez ça va pas parce qu'elle se retourne. Donc faut qu'on mette un autre bloc. Sachant que toutes les voitures vont forcément faire ça. Donc il faut qu'on mette autre chose. Il faut qu'on mette autre chose. Ou genre un truc comme ça sinon. Ah! What the fuck? Donc c'est un peu chiant, hein. Ça vous paraît relou, inutile et tout, mais merde. Enlève-toi. Voilà. Mais c'est juste fun. C'est fun, c'est fun. Mais si vous en faites pas, c'est fun, c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà, elle tient. C'est pas mal là. Je pense qu'on peut rester comme ça. Non? Bref. Ça vous a plu ça? Je savais que ça vous plairait. C'est nice. Voilà. Ça c'est bien. On va faire ça. Voilà, j'ai enfin trouvé un truc potable. Et donc là, on va continuer ce début de course. Et on va mettre... Voilà, typiquement, vous voyez là, ici, il faut mettre un checkpoint au tout début. Et un checkpoint... Parce qu'en fait, sinon les gens vont peut-être éviter... Donc attendez, je vais mettre un checkpoint turbo. Ça n'existe pas ça? Si, ça existe. Non? Ça n'existe pas. Dommage. Dommage. Ça sent le facteur chance. Non, normalement non. Normalement non. Donc là, il faut... J'ai mis un checkpoint ici, il faut juste regarder que c'est plus rapide forcément de faire ce chemin là plutôt que de passer sur le côté, vous voyez. Je peux mettre des murs sur le côté aussi, mais bon. Hop, vous voyez, faut faire ça. Voilà, donc l'idée c'est de se stabiliser avec la flèche arrière. Voilà. Et de partir direct. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc on va mettre des murs, parce que je pense que sinon les gens vont tricher, vont cut. Il faut vraiment pas penser que les gens ne vont pas cut, hein. Il faut les empêcher de tout faire. Sinon ils le font de toute façon. Mais le problème c'est que voilà, on peut pas les mettre ici, c'est bien ce que je pensais. Là ça va être chaud. On va mettre de l'eau, ouais, tout simplement. Bonne idée. Bonne idée pour l'eau. Bravo. Hop. Ah, le problème c'est que si on peut quand même passer. Il faudrait que je force un truc. Là, voyons, on pourra faire un saut par-dessus l'eau pour revenir ici à la limite. Hop, tu peux passer. Ouais, ouais, je sais, je sais. Je sais qu'on peut passer. Le truc, c'est d'arriver à faire un relis avec l'eau du milieu. Ouais, pas con, mais ça me paraît. Non, je pense pas que je pourrais en fait. Ouais.
pense pas que je pourrais sans casser le bloc. Ouais, je pourrais pas. À moins qu'on fasse carrément ça. Mais faut voir si on peut aller sans casser les blocs, je pourrais pas en fait. Bon, ça déjà on peut. Ah oui, genre là. Ah oui, pas con. Ok. J'ai compris. Voilà, vous avez trouvé la solution. GG. GG énorme. Bravo. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le début de notre course. Là, on a le début de la course, il est comme ça, il est bien. Voilà. Hop. Donc ça, déjà, ce sera un bon début de course. Ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut pas aller sur le côté, on peut pas gruger. Là, il y a de l'eau partout. Donc magnifique. Après, qu'est-ce que ça fait si on prend le turbo sur le côté? Voyons voir. Genre, si on fait ça. Et ouais. Le truc, c'est que là, c'était plus rapide, mais on a une chance de se retrouver retourné. Donc j'ai envie de dire, ça, c'est un cut qu'on peut accepter. C'est un gros, vous voyez là ce que j'ai fait? C'est un gros risque pris pour le joueur. Donc ça, à la limite, on peut le laisser. Ou alors peut-être si on ralentit. Merde. J'y vais. On peut pas stabiliser la voiture en fait avec de l'eau. Je peux stabiliser qu'à une certaine hauteur. Vous voyez là, si je stabilise, ça fait rien. On peut faire ça à la limite. Voilà, ça on peut faire ça. J'avoue qu'on peut faire ça, ce que je viens de faire. Après, on peut faire un cercle en checkpoint. Hein. Hop. C'est dur quand même. C'est dur, mais les pros y arriveront. Donc faut pas se dire que c'est dur parce que moi j'y arrive pas. Faut se dire ils y arriveront. Donc on va essayer de mettre un checkpoint cercle. Si ça marche pas, on le met pas et on admettra un boost à l'atterrissage, ce serait génial. Oh, c'est pas la peine, je pense. Alors attendez. Voilà. Qu'est-ce que ça ferait si on faisait ça? Je regarde, hein. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Oh, un peu haut. Bah il faut le monter, c'est pas grave. Il faut le monter. Hop. Hop, là ça devrait le faire. Donc vous voyez, on passe beaucoup de temps à faire un début, mais c'est un début qui a de la classe. Je vais juste recommencer une fois, histoire d'avoir le vrai départ. Voilà. Donc ça, c'est un bon départ de course. Ça, c'est un bon départ de course. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît totalement pas mal. Hop. Hop. En effet, il y en a qui voulaient que je relie ça. Mais c'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire. Ah oui, c'était pour éviter le cut. Mais c'est pas grave, je préfère quand même laisser ça. Je préfère quand même laisser ça. Il y en a qui disaient relie le saut au CP, comme ça les gens pourront plus cut, etc. Mais je préfère laisser ça, je trouve ça plus fun en fait. Comme ça oblige les gens. Ça oblige les gens à sauter quoi qu'il arrive. Voilà. Il suffit d'aller tout droit et de stabiliser la bagnole. C'est vraiment le seul truc à faire. Non, j'enlèverai pas le deuxième CP du coup parce que ça en fait deux et plus à checkpoint, plus on peut peaufiner ces trucs. Là, vous voyez, je suis à 8,75. Hop, 8,76. Vous voyez, j'ai perfectionné. Voilà. Voilà. Mais normalement, le checkpoint, on le passe tous à 5,75, normalement. Normalement, vraiment, on peut pas faire moins bien ou mieux que 5,75. C'est totalement impossible. Alors, j'en vois un qui a dit, c'est pas un peu trop facile. Mais là, c'est pas fait pour être facile, c'est fait pour avoir la classe, dès le début du circuit, en fait. Donc ça, on s'en fout, à la limite. Voilà, ça, c'est bien. Donc on continue. Je vais quand même essayer de finir la carte, hein. On va faire une carte par semaine.
Ensuite, il faut qu'on arrive, on va faire un gros virage, il faut qu'on revienne à notre fameux début de course. Alors moi, je vais pas faire des courses très longues, hein. Il y aura... Ah zut, trop petit. Parce qu'en fait, la limite de la carte est ici. Vous voyez, la limite est vraiment juste là. Donc on va pas aller très très loin. Hop, là on va faire un petit checkpoint. Et on va partir en turbo. Donc là l'idée c'est de faire vraiment un saut. Ah bah il y a pile le poteau ici. Donc on va l'enlever. On le mettra ailleurs. Ou je sais pas, on se débrouillera pour faire un truc un petit peu stylé. Et donc là il faut évidemment mettre un... Ah ouais, il y a un trou, merde. Bon, c'est pas grave. Ça c'est pas très grave. Hop, on l'aurait vu de toute façon. Donc l'idée c'est de faire un un petit saut ici, manière d'aller d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Donc juste un petit turbo avant, je crois, je sais pas s'il y a un bloc, voilà, il y a un bloc pour tourner, je crois que ça suffira pas normalement. À moins qu'on fasse voilà, ça. Je sais pas si ça suffira, hein. Mon avis ça suffira pas. Mon avis ça suffira pas. Ça va être chaud à prendre en plus comme, comme saut. Ah si, ça suffira. Ça suffira. Ok. Bon bah nice. Donc après il y a la fameuse suite de la course qu'on a fait tout à l'heure. Hop, hop. 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 Ça c'est un peu relou parce qu'il faut pas aller trop vite sinon on sort de la course. Voilà. Ça c'est pas très difficile, hein. C'est vraiment... Vous voyez, c'est pas des courses très dures, ce sera des courses... Ah, j'ai raté. J'ai raté, mais c'est comme ça. Des fois on gagne, des fois on perd. Alors... Ça c'est pas mal. On peut t'envoyer des maps sinon... Non, pour l'instant vous ne m'envoyez pas de cartes. Ce sera ma cup avec mes maps, comme un gros égoïste. Horrible. Mais sinon oui. Donc voilà, là je sais pas combien on est niveau timing, au niveau de la carte, mais il faut qu'on fasse cette fameuse suite. Ah oui, c'est vrai. On était là. Merde. Zut. Donc il faut qu'on voit si c'était bon. Au niveau du saut. Ah zut. Eh bah GG. Eh bah gros GG du coup. Gros GG, y a pas de saut Zerator, t'en es content de ton saut? D'accord, génial. Voilà. Hop. Hop. Ah, ça vous fait rire ça. Ça vous fait rire sur AC ça. Par contre, je sais pas comment on passe de ce truc à... Parce que là, du coup, c'est trop haut. En fait, faut forcément le... D'accord. Je vais le mettre plus bas, en fait, tout simplement. Aux F. Voilà, je vais faire ça. Aux surf. Petit checkpoint. Petit turbo. Et un saut. Et un petit saut. Voilà. C'est des choses très simples. Hein. Une carte très simple. Encore une fois. Sans prétention. Non, on va faire... Non, j'ai dit qu'on faisait un grand saut. On va faire un grand saut. Un grand saut. Zerator, pour ton grand jump, prends le petit truc comme le deuxième jump. Après, tu mets ta route oblique. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Attends, 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 attends. Hop, hop. Là, ça va faire un putain de tremplin, à mon avis. Je pense que là, ça va faire vraiment un gros tremplin, je pense. Je sais pas si ça va faire l'angle à la con, en fait. Ça va être chaud. Ça va être un petit peu chaud, à mon avis. On va voir. Ça va être chaud à gérer, je pense. Ouais, ça j'aime pas trop. J'ai pas trop envie de... Pas trop envie de faire ça comme ça. Donc on va plutôt... mettre des boosts et faire un tremplin à la fin. Hop, hop. Nickel. Parfait. Et là, on va faire, eh bien, un saut à la fin. Comme c'est souvent le cas. Carte de merde. Ok, je suis à l'envers. Le saut. Hop. What the fuck? Ah ok, on va bien plus loin que ce que je croyais. Bah au pire on pourra freiner un petit peu, c'est pas grave. Les sauts où il faut freiner, faut connaître la course, donc c'est un peu chiant. Mais bon. Alors. De la route, s'il vous plaît.
Hop. Voyons voir. Là, ça ferait quoi? J'y vais, hein. J'y vais, j'y vais. Voilà. Parfait. Parfait. Oh. Donc, voilà. Parfait. C'est nickel. Maintenant, on va tourner. Parce qu'il faut quand même tourner, hein. On va tourner. On va repartir. Comme ça. Et là, on va faire une sorte de descente. Ah, je sais ce qu'on va faire. Là, on va faire un truc relou. Voilà. Ça, j'aime bien. Ça, ça vous fait chier, ça. Ça, c'est vraiment insupportable. Et là, pour ceux qui connaissent pas la course, on va faire un truc encore pire. C'est-à-dire qu'on va faire une descente d'un coup. Voilà. Oh mon dieu, il y en a un qui a dit. Oh non, pas ça. Je vais même faire ceci, en fait. Voilà, attendez, je vais faire ça, voilà. Hop. Ça, ça me paraît pas mal. Donc là, en théorie, on va pas tester tout de suite. On va pas tester tout de suite. Ça vous fait rire, ça, hein. Attendez. Attendez, attendez. Hop. Ça, j'aime bien aussi, ce genre de... Ce genre de bloc. Hop. Ça, c'est de la route qui se courbe au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est de la route qui se... Enfin, qui peut descendre ou monter, selon ce que vous voulez faire. Et par exemple là, ah, c'est de la merde. Là c'est du caca boudin. C'est du caca boudin. Hop. Ah zut, je voulais faire que ça descende, mais en fait ça ne va pas du tout. Les intestins de la mort, God why, il y en a un qui a écrit. Voilà. En fait, faut faire un truc entre les deux. Voilà. Voilà, ça c'est bien dégueulasse. Ça c'est bien horrible. Vraiment bien horrible. Vraiment bien affreux ce truc là. Et mesdames et messieurs, c'est l'heure de la pause. Je vous dis donc à tout de suite.